Soit UN, une suite quelconque, avec la relation de récurrence, UN plus 1 est égal à 2 fois UN plus 6, divisé par 5. Et le premier terme de cette suite, U0 est égal à 7. Donc N est un entier supérieur ou égal à 0. Et j'introduis une autre suite, VN, hein, qui est reliée à la précédente par VN est égal à UN moins 2, quel que soit N supérieur ou égal à 0. Dans une première question, nous allons montrer que la suite VN est géométrique et on précisera le premier terme de cette suite et la raison. Puis, nous allons donner UN en fonction de N. Et enfin, nous allons ici étudier la limite de la suite UN lorsque N tend vers plus l'infini. Première question. Montrons que la suite VN est géométrique. Pour cela, nous allons ici calculer VN plus 1 sur Vn. Donc Vn plus 1 est égal, je remplace n par n plus 1, un plus 1 moins 2 sur Vn, c'est-à-dire un moins 2. Un plus 1, je le connais, c'est 2 un plus 6 divisé par 5, donc moins 2, divisé par un moins 2. Je vais mettre ici au même dénominateur, c'est-à-dire je vais multiplier par 5 ici et ici. J'obtiens donc 2un, 6 moins 10 me donne moins 4, divisé par 5, sur un moins 2. Et un moins 2, je peux éventuellement rajouter ici, divisé par 1. J'obtiens donc 2, je peux factoriser ici par 2, 2 facteurs de un moins 2 divisé par 5, multiplié par l'inverse, 1 sur un moins 2. Je peux ici simplifier par un moins 2, hein, en supposant que un est différent de 2. Il me reste donc la raison de cette suite, 2 cinquièmes. Hein. À partir du moment où Vn plus 1 sur Vn est égal à 2 cinquièmes, hein, nous pouvons dire que Vn est une suite géométrique de raison 2 cinquièmes. Donc, on va écrire que Vn est une suite géométrique de premier terme. Alors, le premier terme, à partir du moment où U0 existe, V0 va exister. Donc, de premier terme, V0 est égal à U0 moins 2. Donc, V0 est égal à 7 moins 2 est égal à 5. Hein, ça, c'est le premier terme. Et la raison de cette suite géométrique, petit q, nous venons de le démontrer, c'est 2 cinquièmes. Nous devons maintenant montrer que un est égal à 5 multiplié par 2 cinquièmes puissance n plus 2. Alors, nous allons d'abord chercher Vn en fonction de n. Étant donné que Vn est une suite géométrique, je peux écrire Vn est égal à V0 multiplié par Q à la puissance n. Donc, Vn est égal à V0 est égal à 5 multiplié par 2 cinquièmes à la puissance n. Ça, c'est le terme général de la suite Vn. Et pour trouver un, ce n'est pas bien compliqué. Ici, je vais isoler un de cette égalité. Donc, à partir du moment où Vn est égal à un moins 2, si je transpose moins 2 à gauche, j'obtiens un est égal à Vn plus 2. Je connais le terme général de Vn, donc un est égal à 5 fois 2 cinquièmes à la puissance n plus 2. Donc voilà, j'ai réussi à obtenir le terme général d'une suite quelconque qui n'est ni arithmétique ni géométrique. Étudions maintenant la limite de la suite un lorsque n tend vers plus l'infini. Nous voyons ici 2 cinquièmes à la puissance n. Eh bien, nous savons que la limite de 2 cinquièmes à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 0, car 2 cinquièmes, hein, est strictement compris
entre moins 1 et plus 1. Donc, à partir du moment où ce terme tend vers 0, il reste 2, d'après les opérations élémentaires sur la limite. Hein. Donc, on peut dire que la suite UN converge vers 2.